Mesdames et Messieurs, il est 20h30, nous allons commencer. Mais avant d'ouvrir cette session du conseil municipal de ce soir, je voudrais vous présenter M. Cuisin, qui nous a demandé de bien vouloir accepter qu'il filme et qu'il enregistre ce conseil municipal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Cuisin auprès de son matériel. Ceci étant fait, je vais vous lire l'ordre du jour de ce soir, ensuite nous passerons à l'approbation du précédent compte rendu, mais auparavant nous allons désigner le secrétaire de séance. Secrétaire de séance, par exemple, Rachel, tu seras parfaite. Voilà. L'approbation du précédent compte rendu, est-ce qu'il y a des remarques, des précisions, des modifications? S'il n'y en a pas, nous allons pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Délibération à prendre ce soir. En affaires générales, pour le DEG, l'éclairage public et route de Pouillac. En matière de finances, demande de subvention du Conseil général pour l'acquisition d'un véhicule frigorifique. Finance toujours, une subvention du Conseil général pour l'acquisition d'une tondeuse autoportée. Finance encore, demande de subvention au Conseil général pour l'achat de mobilier pour l'école élémentaire. En finance, une décision modificative. En affaires générales, demande de programme trottoir au Conseil général pour l'esplanade et la voûte du mur de Rouen. Affirmé général, encore, modification du tableau, classement voirie pour la C3G. En fait, ce n'est pas tellement une modification, c'est une confirmation du classement des voiries pour la C3G. Ensuite, je vous donnerai quelques informations sur ce que j'ai reçu cette semaine. Avant de commencer, vous n'entendez pas? Vous m'entendez pas? Oui. Avec ou sans? Sans, c'est très bien. Sans? Pour la caméra avec. Faire un choix. Pour la caméra, c'est mieux? C'est mieux. D'accord. Donc, je vais pas recommencer, mais j'ai tout dit. Nous allons maintenant commencer point par point. Absolument. Conseil, je vous avais dit que nous pourrions terminer l'éclairage de la rue de Pouillac, la route de Pouillac, en direction donc du collège. J'ai fait faire une étude par le SDEG, cette étude avait la chose suivante. La totalité de cette opération coûterait 44 000 euros. La répartition serait la suivante. La TVA pour 6 657 euros, la part du TEG pour 15 750 euros, la part restant à la charge de la commune, en estimation, je vais vous dire pourquoi, 21 593 euros. Pourquoi une estimation? C'est parce que sur cette somme, nous avons la possibilité de demander une subvention supplémentaire au Conseil général. Donc la somme qui restera à la charge de la commune sera largement inférieure et je peux dire qu'elle sera aux alentours de 19 000 euros, très probablement. Avez-vous des questions complémentaires? Nous pouvons passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? À l'unanimité, merci.
Nous passons maintenant à la demande de subvention au Conseil Général pour l'achat d'un véhicule frigorifique. Là encore, vous vous souvenez tous que la commission ad hoc s'est réunie et a tranché pour l'acquisition d'un véhicule frigorifique, un Kangoo spécialement aménagé, enfin, etc. Je vous avais donné tous les détails lors du précédent conseil. Aujourd'hui, nous allons acquérir, donc, puisque la décision a été prise, ce véhicule pour remplacer un véhicule qui a 14 ans, c'est vraiment lamentable. Pour se faire aider par le Conseil général, je vous propose que nous demandions une subvention au taux le plus élevé pour nous permettre de réaliser cet achat. Question ? On passe au vote. Qui est pour ? Unanimité, merci. De même, la commission ad hoc s'était réunie le même jour d'ailleurs pour décider de l'achat d'une tondeuse autoportée. La commission avait fait son choix, le conseil municipal avait entériné ce choix, et aujourd'hui je crois qu'il est suffisamment important de demander une subvention au conseil général, que c'est un achat relativement élevé. Cet achat, je vous le rappelle, est de 27 389,30 € TTC, et il y a donc lieu de demander, comme d'habitude, une subvention au taux le plus élevé possible. Avez-vous des questions ? Nous passons au vote. Pour changer un peu, qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Toujours en demande de subvention, vous savez, les uns et les autres, que nous avons décidé d'acheter du mobilier pour l'école élémentaire. Ce mobilier, bien c'est quoi ? Ce sont des tables, des chaises, des tableaux, des casiers et des vidéoprojecteurs. La commission avait décidé de passer cette commande à l'entreprise Manutan et le conseiller municipal a d'ailleurs entériné ce choix. La facture globale est de l'ordre de 5 300 € TTC, et là encore, il est de bon ton, je pense, et de bonne gestion, de demander quelques subsides supplémentaires au Conseil général. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Une DM. Vous savez tous ce qu'est une DM, c'est-à-dire c'est une décision modificative qui permet de rééquilibrer certains comptes du budget. Je vous propose donc une diminution des crédits ouverts sur les bâtiments communaux à hauteur de 35 500 € et une redistribution sur les réserves frontières 2 500, chemin vert 5 000, rue de la Brèche 25 000 et matériel scolaire 3 000. On retourne 35 000. Sur la section fonctionnement du BP communal, en chapitre 014, en charge générale, une diminution des crédits de 20 000 et une augmentation des crédits ouverts sur les charges de personnel de 20 000. C'est, disons, du purement mécanique. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de questions à ce sujet. On va passer au vote. Qui est pour ? Unanimité, merci. Alors, vous vous souvenez que lors du dernier conseil, nous avons demandé au conseil général d'être inscrit pour la création de parking sur le programme du conseil général des amendes de police. Et ça, pour la partie comprise entre l'esplanade haute et l'esplanade basse. Aujourd'hui, et pour compléter, je vous propose de demander l'inscription au programme trottoir du Conseil général. Alors pourquoi on ne l'a pas fait en même temps ?
C'est parce qu'au Conseil général, il s'agit de deux programmes différents avec des budgets différents. Il convient donc à un conseil prêt de lancer les deux opérations. Donc ce soir, si vous le permettez, nous pourrions lancer cette opération. Alors, chiffrer, parce que vous allez évidemment me demander combien ça coûte, c'est normal. C'est normal. Chiffrer en TTC, il y en a en gros pour 100 000 euros. Là-dessus, bien évidemment, nous aurons au Conseil général une, j'espère, une subvention assez intéressante. Avez-vous quelques questions supplémentaires? On a le plan On a le plan. On a le plan. On a même le plan. On va le voir. Que la partie trottoir. Alors la partie, bon, en fait, ça va se décomposer en trois temps. Il y a eu la partie parking, nous parlons maintenant des trottoirs, et ensuite il y aura la partie revêtement. Revêtement routier. Avec reprise des niveaux, enfin bon, la compagnie qui est en train de travailler là-dessus, et il nous fournira le plan pour une prochaine année. Ça ? Il nous fournira le plan pour une prochaine année. Donc la partie. Alors il y aura toute la partie entre les deux esplanades, hein. Avec reprise d'ailleurs des bordures qui existent actuellement, qui étaient des bordures provisoires, quand je me souviens. Donc il faudra repenser, mais là, quand on est en train de travailler dessus, je ne peux pas vous présenter, le plan n'a pas été fourni pour l'instant. Donc là, on parle bien que des trottoirs. Autre question ? Poisson de vote ? Qui est pour ? L'unanimité des présents. Ah oui, pour finir, la C3G a un certain nombre de chemins pour chaque commune qui leur est octroyé pour leur permettre un certain nombre de choses, de travaux, etc. Ils nous demandent à chaque changement de conseil d'approuver à nouveau cette liste. Alors, bien évidemment, avant de vous la présenter, Jean-Claude et moi-même l'avons regardée en détail, elle ne nous pose aucun problème, je vous demande tout simplement de reconduire ce qui existait déjà. Est-ce que vous avez une question? Non. Nous pouvons voter. Qui s'abstient? Qui vote contre? À l'unanimité. Merci. Bon, maintenant quelques informations. Alors, nous avons reçu un certain nombre d'accords à des demandes de subventions. La première concerne 5 984,70 € pour l'effacement des réseaux aériens de communication électronique. Ah oui, sur la rue de. Oui, la rue de la Vache, oui, bien sûr, tout le monde le sait, voilà. Ensuite, nous allons recevoir pour le dojo danse, il y a eu des travaux d'installation d'une ligne de vie d'un montant de 1025,04 €. Chacun sait ce que c'est qu'une ligne de vie.
Les lignes de vis sur une toiture, c'est tout simplement un cordage tendu qui permet aux gens qui montent sur la toiture de pouvoir s'attacher, s'accrocher, pour éviter de tomber. Ensuite, nous avons également reçu un avis favorable pour des travaux de trottoir sur la voie communale de la rue de la Brèche d'un montant de 5 200 €, soit 40%. Encore, pour la mise en place d'un éclairage public au collège, route de Pouillac, d'un montant de 44 000 €, pardon. Ça, c'était donc la première tranche. Nous avons une contribution qui nous sera versée à hauteur de 21 593 €. Ensuite, c'est un courrier de prise en compte, mais qui n'est pas encore chiffré, d'une subvention pour le remplacement de fenêtres sur un de nos bâtiments communaux. Ensuite, ce courrier concerne notre demande de subvention pour l'achat de couchettes empilables destinées à l'école maternelle. Ce dossier est également actuellement à l'étude et nous devrions avoir très rapidement la décision de subvention. Ensuite, et pour finir, je vous dirai que j'ai reçu de M. Pierre Isard, le président du Conseil général, une lettre de remerciement, car il a été très sensible au soutien que nous avons apporté au maintien des départements et surtout des conseils généraux. Très sensible, il nous a envoyé une petite lettre qui nous est adressé à tous, où il nous remercie infiniment, car il a été très sensible à ce geste. Moi, j'en ai terminé pour ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Si tu peux me repréciser, parce que les 21 593 € dont tu parlais, c'est une demande de subvention. C'est pas un accord de subvention, en fait, parce que c'est le point 1, si je ne m'abuse, dont on vient de parler dans les affaires générales. Ou alors les chiffres sont strictement identiques par hasard. C'est toujours possible. Alors, il s'agit d'un nouveau projet qui, effectivement, nous octroierait, sur un montant de 44 000 €, une contribution à la charge de la commune qui ne s'élèverait qu'à 21 593 €. La différence étant prise en charge, effectivement, par ça correspond au point 1 du. Ça correspond. Autre question? Non? Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de terminer votre soirée agréable.